Bonjour, ici Serbrazian pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Watch of Rim, le jeu d'un mot absolu où je suis official creator, ce qui veut dire que les développeurs me font confiance pour vous parler du jeu et ça c'est qualitatif. Oui, je suis un peu plus bas que d'habitude puisque là, juste là, il y a mon gros bébé qui est en train de me faire un gros câlin et qui est en train de ronronner comme pas deux. Un petit bébé d'amour. Ce qui veut dire que je ne vais pas être très énergique aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, samedi oblige, bien évidemment, on est parti pour faire de l'invocation. Alors, une question qu'on m'a demandé, c'est déjà, avant de lancer les vidéos, avant de faire ça, est-ce que c'est utile de faire les invocations sur cette bannière-là? Eh bien, je vous répondrai tout de suite, mais avant ça, nouvelle vidéo oblige, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, mais moi ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide pour le référencement. N'hésitez pas en plus à mettre une petite com là tout de suite à l'instant pour dire « Sire, nous aussi on ronronne. » Comme le petit Loki. Oh oui mon bébé, vous voyez sa petite papate. Ça fait toujours plaisir d'avoir le petit com au début de la vidéo, quand je lance la vidéo sur la chaîne à 17h45, ça fait toujours plaisir de voir des coms arriver. Donc sur ce, de nouvelles invocations. À votre avis, est-ce que c'est utile de faire des invocations sur cette bannière-là? Et à votre avis, qu'est-ce que je recherche sur cette bannière? On est parti pour répondre à toutes ces questions, là tout de suite à l'instant. Let's go. Alors la réponse à est-ce que cette bannière est utile? Non. Alors, non, mais... Non mais pourquoi je le fais? Parce que Entertainment, parce que vous aimez voir le samedi soir, votre petite session d'invocation, je le sais, c'est votre péché mignon. Et non mais, il y a quand même un mais, il y a du Cerberus dedans, donc si vous n'avez pas de Cerberus, ça peut toujours être qualitatif. Cerberus est extrêmement quali sur énormément de systèmes de jeu, donc en vrai, ça peut se comprendre. Trusk est très spécifique, c'est-à-dire que si vous voulez avoir le maximum de puissance sur Trusk, il va falloir faire une équipe autour. Équipe qui est composée d'unités que je ne possède pas, donc dans tous les cas, Trusk pour moi sera une unité moyenne, voire moyenne-basse. Pourquoi l'invocation de cette bannière-là non plus n'est pas forcément très intéressante? Tout simplement parce qu'on n'est pas sur un x2 de chance. On est sur un x10 d'avoir la chance d'avoir les héros désignés. C'est pas pareil. On n'a pas plus de chances d'avoir des bonnes unités. Par contre, si on a une bonne unité, on a 10 fois plus de chances que ça soit sur ces unités, ciblées sur ces unités-là. Voilà. Alors, avant de faire ça, on va aller regarder rapidement mon compteur de pity. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Bon, on est à 130 tirages, ce qui veut dire qu'il faudrait que j'en fasse encore 17. Pour être certain d'avoir un 5 étoiles. 17. Non, on va pas aller jusqu'à la pitié. Potentiellement, on va peut-être avoir des 5 étoiles. Et ça va faire ça tout de suite, maintenant, à l'instant même, avec nos premiers tirages. Allez, un petit Cerberus en plus, ça serait sympathique. En vrai, ça serait extrêmement sympathique pour... Ouais, non, mais c'est le début. C'est le début, on a l'habitude. On a toujours de la... Ah oui, non, mais là, on va vraiment... Ah oui. Ah oui, là on tape vraiment sur la merde de chez merde, hein, là... Ah oui, non, mais là ça calme. Oui. Ah oui, non, mais là ça calme. On va quand même essayer d'avoir du Cerberus. Pourquoi? Parce que si je pouvais éveiller le petit Cerberus un peu plus, ça serait absolument qualitatif. En vrai, 3-4 étoiles... Bon, certes, je crois que Voros, je l'ai pas à fond. Après les deux autres, ça va être de la foudre. Mais en vrai, pourquoi pas? Allez, on veut du doré, là. Oui, mesdames et messieurs, on veut du doré. Bah non. Encore un petit Voros. Ça se prend. Allez, mesdames et messieurs, du doré. Là, maintenant, tout de suite. Et non. À chaque fois, j'ai un petit... Chaque fois, je me dis potentiellement, hein. Mais non. Ni salt. Ouais. Ni salt, quoi. Oh non, un bleu. Non, mais sérieux. Oh, ils abusent parfois. Allez, on commence à utiliser les diams. Allez, du... Hop, fais-moi un câlin, mon Loki. Oh oui, fais-moi un gros câlin.
Là, papa, il y en a besoin, là. Oh oui. Allez, du doré. Un 5 étoiles. Allez, un petit Cerberus. 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 Je vous avais dit de pas tirer sur la bannière. Hein. Moi, j'écoute jamais ce que je me dis moi-même. Donc, inévitablement, ça aide pas. Mais. Ah. Oui. Oui. Cerberus. 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 En vrai, Cerberus. Attention, mesdames et messieurs. Alors, j'adore Prokir. Mais il a le don de popper à chaque fois quand il faut pas. Ou plutôt quand j'ai pas vraiment envie. Mais au final, je vais avoir un Prokir extrêmement pété. Ça devient presque un running gag de la chaîne. Les 50 diams, je les prends, je reviens tout de suite. Allez, on continue. Potentiellement, il y a peut-être encore du 5 étoiles derrière. Suis quand même tristesse. Bah, allez, on va faire les diams. Les petits diams, on vient d'en récupérer. Je suis quand même tristesse parce qu'en vrai, là, j'ai pas. Bon, même pas, je vais même pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le foie de. La pitié, elle vient d'être claquée. Enfin, c'est même pas la pitié, mais la pitié, elle vient de redescendre à zéro. En vrai, ça n'a pas d'intérêt. Même ici, hein, vous voyez que j'ai deux diams dorés. Ça sert à rien. Les chances que j'ai quelque chose vont être extrêmement. Mais alors, vraiment extrêmement basses. Mais du coup, on va pouvoir quand même aller faire notre petit Brokir qui augmente un petit à petit. Hein, voilà. Brokir. Voilà. Brokir. Brokir. Il n'a pas tout compris à sa vie. On lui avait demandé de ne. De laisser la place à un petit Cerberus, mais bon. Il avait envie, il avait envie. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Alors, par ici, bien en plus d'éveil, on va pouvoir éveiller Bavoros, puisque, ben, hop là. Lui, on l'a eu. Lui, c'est bon, il va être à fond. En vrai, est-ce que vous l'utilisez, cette unité-ci? Elle n'est pas mauvaise, mais en vérité, j'ai jamais eu le plaisir, ni même le moment de l'utiliser. Donc, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et est-ce qu'il est vraiment bon ou est-ce que c'est. Parce qu'en vrai, là, éveillé 5 avec toutes ses compétences qui sont améliorées, il y a peut-être de quoi faire. Je sais qu'il peut être utilisé sur le boss de guild quand on n'a pas mieux. Il est quand même classé, je crois, A+, si je ne dis pas de bêtises. Donc en vrai, il y a moyen, hein, il y a moyen. Ouh, bah tiens, elle. La première tank de mon jeu. Une des premières 4 étoiles que j'ai eues. C'est une des seules qui n'est pas encore éveillée à fond. C'est charmant, n'est-ce pas? Un sacrifice pour la science de Nizzahlt. Ouais. Ouais. On va juste le monter à 5 étoiles, histoire de dire qu'on l'a éveillé 5 étoiles, et puis voilà. Et le reste, bien évidemment, ça sera eh ben, de la food. Alors, oui. Et oui, je sais ce que vous allez me dire. Si, si tu fais de la food, tu vas avoir plein de diables. Donc en vrai, tu peux. Oui, tu peux. Tu peux potentiellement refaire de l'invocation. Oui, je pourrais. Mais non, parce que comme je vous ai dit juste avant, bah là, ça serait vraiment gâcher des ressources. Tout simplement parce qu'on n'est pas sur un x2. Donc les chances que j'ai quelque chose d'intéressant là, tout de suite, à l'instant, sont à peu près équivalentes au néant de l'ultra laser. Ça ne veut rien dire. Mais vous comprenez l'idée. On va virer ça, 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 on va virer ça. Ça. Ça, ça. Ça. Alors oui, j'ai énormément de 3 étoiles. Je vous rappelle que je m'amuse de temps en temps à faire des challenges que vous me demandez en 3 étoiles. D'ailleurs, si vous avez des nouveaux challenges à me proposer avec des 3 étoiles ou même autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Il y a beaucoup de petites vidéos qui arrivent, qui sont programmées, qui arrivent tout doucement sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, les guerres raids en niveau 19 arrivent, tant bien que mal, mais ils arrivent. Le tout, c'est de faire quelque chose de propre. Et ça, de propre et d'agréable pour vous. Et aussi, accessoirement, qu'il soit jouable pour vous et faisable pour vous. Et donc, ben, ça prend un peu plus de temps que d'habitude. On est parti, on continue. Ben alors. D'accord. Il m'a repopé là. C'est pas grave. On a fait énormément de choses. Alors oui, pour ceux qui se demandaient.
Les 3 étoiles pour faire l'éveil en 4 étoiles pour faire l'éveil de la 5 étoiles dont je vous ai parlé cette semaine, on les a avec les événements. Grogran qui est ici. Gogran. Grogran ou Gogran? J'ai un doute là du coup. Gogran qui est ici permettra au bout de 16 itérations. Enfin, au bout de 4 itérations à faire du coup. Tac. 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 Des Draiga. Et sachant qu'il faut 4 Draiga pour faire un Crodor, il va vous falloir donc 16 unités dégueulasses comme ça pour vous faire les Draiga, 4 Draiga qui fera aussi, comme vous avez pu le voir, monter sacrément haut. Donc on a un petit peu de temps pour le faire. Et on aura Crodor à la fin. Crodor qui est sympathique mais que vous ne pourrez avoir que pendant 19 jours. On a intérêt à speeder quand même un peu. La question que je me pose et que je n'ai pas encore la réponse, c'est une fois qu'on a fait une fois Crodor, est-ce que c'est comme Abomination où la fusion se supprime? Et dans ce cas-là, comment on fait pour avoir autrement Crodor? Tout ça, ça sera répondu dans des prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie, une petite vidéo sympathique du samedi matin avec le petit Loki qui est juste là. Si la vidéo vous a le concept ou votre sire d'amour vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, mais moi ça me ferait grand plaisir et ça m'aide pour le référencement. On va dire au revoir avec le petit Loki dans les bras. Bonjour mon gros bébé. Voilà. Et sur ce, je vous fais de gros poutou poutou et je vous dis à la prochaine. Oh, je l'ai dérangé. Oh oui, je t'ai dérangé. Bon, oui, je t'ai dérangé mon bébé. Et je vous dis à la prochaine. Bye.